Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir chez vous Claude Sarraute, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoine et Perry Cochard. Bien content de vous retrouver, mon petit Jean-Luc, je l'appelle. Jean-Luc, c'est vous et Jean-Luc, c'est lui. Hein, c'est ça, voilà, j'ai du mal, je vous confonds toujours. Et c'est vrai que vous nous avez manqué. Mais vous aussi. Non, c'est vrai. Combien de temps vous étiez parti, là? 15 jours, là. 15 jours, le salaud. Oui, c'est ça. Benjamin. Mais je suis parti avec vos photos, parce que j'ai un album de photos, et à chaque fois que j'ai un petit coup de, au moral, je vous regarde et ça va mieux. Ah. Flamand rose se porte bien, rassure-moi. Ok, d'accord, on attaque le privé, ça fait plaisir. C'est quoi les flamands roses? Alors, l'été dernier, nous sommes partis un petit peu en vacances ensemble, Jean-Luc, sa fiancée et nous. Nous, c'est mon mec et moi. Et dès qu'ils se mettent au soleil, les deux, ils deviennent roses, mais on dirait des flamants roses, mais ridicules, avec des plaques et tout. Donc je voulais savoir... C'est surtout qu'ils se tiennent sur une jambe, c'est ça qui... Rassure-toi, j'étais à la hauteur de ma réputation, j'ai eu des plaques rouges. Mais après 15 jours aux Antilles, c'est vrai que t'es pas très bronzé, j'en avais déduit que t'avais passé ta vie dans les boîtes de nuit, mais non, c'est juste que... Aussi, c'est très difficile de bronzer la nuit. Isabelle Alonso se prépare pour le mariage espagnol. Ah oui, le prince héritier va épouser une star de la télé, il y a de la promotion pour la profession. Et vous savez que la télévision espagnole attend la venue d'Isabelle Alonso, parce qu'ils n'acceptent pas tout le monde. Hein. Par exemple, Laetitia Casta a voulu y aller, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit Alonso si, Casta niette. Allez, temps de passer à la photo du jour, c'est celle de l'ouverture du Festival de Cannes, évidemment hier soir, avec les intermittents du spectacle, à qui on avait attribué chacun une lettre et qui ont réussi à faire un mot de 11 lettres, pas mieux. Négociation, il faut dire que quand t'es intermittent du spectacle, le Scrabble, t'as le temps de t'y entraîner. Hein. Si on n'a pas vu plus d'intermittents pendant cette soirée, c'est évidemment parce que les organisateurs avaient vraiment déployé un nombre de CRS comme on n'en avait jamais vu à Cannes, regardez. Ben oui, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas le droit à des costumes aussi. D'ailleurs, pour régler le problème des intermittents, le ministre de la Culture n'ayant pas réussi lui-même vraiment à régler le problème, le président Chirac a demandé au Premier ministre en personne de descendre ce soir sur la croisette. On pourra voir Raffarin 3. Bon, il n'a pas vraiment un côté Brad Pitt, Raffarin. Attendez, vous l'avez bien arrangé, là, quand même. Ah oui, oui. Je crois qu'il a un avantage sur Brad Pitt. Tu sais qu'on a été obligé de le doubler pour les mollets. Comme il a la petite jupe grecque, eh bien, ses mollets étaient trop maigres. Alors que Raffarin, lui, doit avoir des bons gros mollets. Autre photo, celle de Lionel Jospin, de retour hier dans le 18e arrondissement pour être aux côtés des socialistes dans la campagne des européennes. Après tout, qu'on nous ait ressorti Jospin en ce moment, c'est normal, c'est la période des vides-greniers. Ce qui est curieux, regardez, c'est sa main, regardez sa main à Jospin. On a l'impression qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il avait perdu la flamme olympique pendant le parcours. Bon, autrement, il a toujours l'air de faire la gueule, hein, pour Jospin. Même avec un homme, le mariage gay, c'est pas possible. Alors, le débat autour du mariage homosexuel, évidemment, est relancé. Et apparemment, au Parti Socialiste, le couple François Hollande-Ségolène Royal n'est pas d'accord là-dessus. Lui est plutôt pour, elle est plutôt contre. Alors, si déjà les hétéros s'entendent pas entre eux, comment voulez-vous que ça marche bien entre les homos? Moi, je vais vous dire... Encore que justement, vous le savez certainement, Ségolène Royal et François Hollande ne sont pas mariés, ils sont concubins. Hollande est contre le mariage des concubins, mais pour le mariage des idiots brésiliens. Ça doit être drôle les discussions à table quand même, parce que lui, il a clairement dit qu'il était pour, elle a dit qu'elle était plutôt contre. Oui. C'est arrangé entre eux. Parce que comme ça, ils ont chacun une partie de leur électorat. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est pas bête. Gérard, vous croyez ça? Ségolène Royal, ça fait longtemps qu'elle a pris une position par rapport à la famille, à la protection des enfants, non pas réactionnaire, mais en tout cas plus traditionnelle. Et lui, il a envie de changer de position. Voilà. Oh,
On part pour le Brésil, justement, avec une photo du président brésilien qui a fait expulser un journaliste américain qui l'accusait d'être alcoolique. Le président Lula serait alcoolique, d'après les Américains. D'ailleurs, avec cette photo, les Américains en ont la preuve qu'il est alcoolique. Regardez devant lui, on voit des armes de destruction massive. Claude, d'ailleurs. Bah oui, regarde ta tête. Oh, et puis, il paraît que de temps en temps... Oh, mais oui, je connais bien, moi, attends. Pas Lula, mais l'alcool. Je peux te dire que... Il a, c'est vrai que de temps en temps, il a la voix un peu empâtée, l'œil un peu fixe. Ah oui, vitreux même. C'est tout de même énorme. Attends, je préfère Lula bourré que Bush sobre. Moins dangereux. D'ailleurs, dans le même genre, on a aussi chez nous en France Hervé Guémard, notre ministre de l'Agriculture, qui hier a vanté les mérites, c'est dans François, on nous raconte aujourd'hui, les mérites de l'apéritif à la française, dit-il. L'apéritif tel que nous le pratiquons ouvre l'appétit et l'esprit, a déclaré le ministre. L'apéritif est un monument, tout comme la Tour Eiffel, un monument familier de l'art de vivre à la française, a poursuivi le ministre. C'est tout ce qu'il a dit, après il s'est écroulé. C'est pas faux. Non, moi je suis pour, je trouve ça sympathique, mais enfin, avec modération. Quand au même moment, le ministre des Transports dit qu'on va vendre des éthylotests à 1 ou 2 euros pour qu'on puisse surveiller notre consommation d'alcool, vous avez le ministre de l'Agriculture qui dit « Prenez l'apéro !» Il a même dit, parce que j'ai pas ajouté la phrase, il a même dit « L'apéritif, c'est comme le fromage, c'est meilleur quand il y en a plusieurs. » Ben oui, mais en même temps, c'est idiot de vendre des éthylotests à des gens qui ne boivent pas du tout. Ils n'en ont pas besoin. Après, c'est deux petits ratafiens, en revanche, on a une occasion de l'utiliser. Allez, une autre photo. Celle de Jeannie Longo, qui peut-être cet été à Athènes, va participer à ses 6e Jeux Olympiques. On écoute, c'est un record. Sur son vélo, à la place du bidon, on va mettre un brumisateur, parce qu'il faut quand même être prévoyant. Mais 6 Jeux Olympiques, vous vous rendez compte, ce serait un vrai record. Et encore, elle aurait pu en faire plus des JO, mais avant, le vélo n'avait pas été inventé. Ce qui est étonnant quand même, c'est que de plus en plus, on se dit que c'est une extraterrestre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit qu'elle a poussé au plus loin les limites. Eh bien, vous allez voir qu'elle sera là au 7e. Mais c'est bien, quand on est une championne, il faut la garder. Si on avait gardé Marie-Myriam à l'Eurovision, on aurait gagné d'autres titres. Samedi soir sur France 3, 20h50 avec Elsa Fayet. Cela dit, comme chaque année, on va vous poser la même question, Gérard Miller. Citez-nous d'autres noms de cyclistes féminines françaises. Michel Tabérier. qui a couru. Jeannine Pougnard. Jeannine Pougnard, qui a été formidable. Et qui a Françoise Merlu. Voilà. Paulette Marcin. Excusez-moi d'avoir mis... Georgette Grugnot. C'est pas un petit Belge qui fait des petits Mickey qui va nous impressionner, nous les sportifs français, hein. Et on termine par Nicolas Sarkozy. Eh bien non, justement, parce qu'exceptionnellement, aujourd'hui, dans la presse, alors là, c'est la première fois que ça arrive, il n'y avait pas aujourd'hui de photo du ministre des Finances. Alors, on espère qu'il lui est rien arrivé. Hein. Mais bon, pour une fois, tant pis, on va s'en passer. En revanche, on nous parle beaucoup aujourd'hui dans la presse du film présenté hier soir à Cannes, le dernier Pedro Almodovar. Oh, merde, encore raté. Vendredi dernier, 76, Seine-Maritime. Personnalité française et étrangère, dont Nicolas Hulot, Coppens, Yves, de son prénom, ou Boutros-Boutros-Ghali, ont lancé l'appel de Paris. C'est une sorte de cri d'alarme, c'est très sérieux, destiné à interpeller les décideurs politiques nationaux, les instances européennes aussi, les organismes internationaux, mondiaux donc, et particulièrement l'ONU, eh bien, les sensibiliser à la menace que constitue la pollution chimique pour la survie de l'homme. Les scientifiques nous avertissent. Tout est pollué, l'air, l'eau, l'alimentation, et avec la ferme ou les colocataires, la télé même aussi aujourd'hui. Pour parler de la pollution et de cet appel de Paris, nous allons tester ensemble un cancérologue qui, au mois de février, a sorti ce livre « Ces maladies créées par l'homme » chez Albin Michel. Accueillons M. Dominique Delpomme. Professeur Delpomme, bonsoir. En collaboration avec Bernard Pasquito, vous avez écrit ce livre « Ces maladies créées par l'homme ». On vous a invité à l'occasion de cet appel de Paris qui a été lancé le 7 mai dernier. Il paraît que c'est quasiment la fin de l'humanité que vous nous annoncez. Ben, c'est l'annonce, oui. Tous les clignotants sont au rouge au niveau scientifique.
Et il y a un décalage majeur actuellement entre ce que pensent et disent nos hommes politiques et ce que pensent et commencent à dire nos hommes scientifiques. Alors, oui, d'après les scientifiques, bon, nous peut-être pas, mais en tout cas nos enfants ou petits-enfants vont voir la fin du monde si on ne fait rien. Il faut faire quelque chose, c'est indiscutable. Alors pourquoi? Parce que tout est pollué, vous dites. Alors l'air, d'accord, ça on le savait. Moi, je vais vous dire une chose, cher monsieur. Je trouve que vous avez... c'est une gageure extraordinaire de m'avoir invité aujourd'hui. Oui. Parce que cette émission, le thème de l'émission essentielle, c'est l'humour. Oui. La joie de vivre. Oui. Et je suis venu ici vous parler d'une chose assez difficile. Le cancer. Le cancer, entre autres. Et puis, effectivement, la pollution partout. Que nous, en tant que citoyens, nous sommes tous conscients que c'est pollué. Ça, je n'ai rien inventé, malheureusement. Et que si nous continuons à franchir cette ligne jaune, nous allons dans le mur. Il y a 76 personnalités françaises qui ont signé cet appel de Paris qui disent « Attention, prenons garde, on est en train de se suicider. » quoi. Ouais, c'est en gros. Ça revient à ça. Gérard. Et personne ne le croit. Comme le dit très justement le professeur Bellepomme, nous regardons le ciel, il est souvent bleu, nous allons à la mer, on arrive à se baigner, et donc on n'a pas le minimum d'esprit de prévision qui pourtant caractérise l'homme par rapport aux animaux. Et je dois dire que c'est un des combats les plus difficiles de se convaincre soi-même, et à plus forte raison de convaincre les autres, que lorsqu'il dit la fin de l'humanité, ça veut dire la fin de l'humanité. Et c'est vrai... Pas le journal, là, on parle bien. Dieu merci, espérons que le journal continue encore un siècle. Mais lorsqu'on voit en effet, je prends les propos de M. Bellepomme, des débats certes importants sur la question du voile, du bandana ou que sais-je dans les écoles, et qu'on a, comme vous le dites, le pied dans l'eau à cause de la fonte des glaciers, on se dit quand même que les politiques ne mesurent pas absolument l'importance du danger. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux façons de voir les choses. Il y a l'hygiène individuelle, il y a les règles. Et là, je dirais la chose suivante, pour résumer tout ce qu'il faut faire, vivre intelligemment. Et intelligemment, ça ne veut pas dire être toujours dans le sombre, être bien sûr, comme vous l'êtes aujourd'hui, dans la joie, mais inversement, nous savons tous qu'il y a des moments un peu plus sombres. Et quand on parle, par exemple, d'un malade atteint de cancer, on en guérit aujourd'hui 45%, ce qui est énorme déjà. Près d'un malade sur deux, on les guérit. Mais vous dites qu'on a perdu, que... enfin, on, mais, vous, mais d'un autre côté, avez perdu la guerre contre le cancer, ça que je ne comprends pas. Il y en a 55%, si vous voulez, qui meurent de cancer. Bon. Et puis, si j'ai bien compris, il y a de plus en plus de cas de cancer. Parce que 55%, c'est une proportion. Donc, on ne sait pas si ça concerne 100 cas ou 10 000 cas ou 20 ou 1 million. Ah, si, alors, les moi, il y a une statistique qui m'a absolument frappée dans le dossier qu'on a eu avant l'émission. C'est qu'on a réussi, par pur volontarisme politique, à faire descendre le nombre de morts dues à la violence routière. 7 242 morts en 2002, 5 732 en 2003. Dans le même temps, 9 513 morts par cancer dû à l'inhalation des fines particules de la combustion des moteurs de voiture. Alors, c'est amusant de penser qu'il a suffi d'une volonté politique pour faire descendre de manière drastique et spectaculaire le nombre de morts des accidents de la route et qu'on reste complètement les bras ballants devant un nombre bien plus important de morts indirectes dues directement à l'automobile. Et c'est peut-être avec des statistiques comme ça et des chiffres comme ça qu'on arrive à frapper l'imagination pour faire pression sur les politiques parce que c'est un problème transversal. Le cancer, ça touche tout le monde, de droite à gauche. Alors c'est peut-être le cancer touche ni de droite ni de gauche comme l'est la santé. Comme l'est également l'environnement, l'écologie. Ce livre est un... Il est alarmant, il ne veut pas être alarmiste. Il y a encore moyen de changer le cours des choses. Je vais vous dire d'où ça va venir, l'espoir. Ça va venir de vous tous qui êtes là, ici. Et en particulier, des femmes et des jeunes. Et je le dis très franchement aujourd'hui, les femmes comprennent beaucoup mieux que les hommes ce qui se passe en réalité, car quand elles allaitent leur enfant et qu'on leur dit que leur lait risque d'être contaminé par je ne sais quel contaminant à leur insu, sans le savoir, et que leur enfant, lorsqu'il joue par terre sur la moquette ou sur le parquet, il peut encore respirer des substances toxiques, et bien les femmes, elles sont au premier rang. Oui, je crois que là, vous avez un discours qui affole un petit peu les populations. Or... honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose avec juste la phrase que vous venez de dire, le lait qui est infecté ou qui peut faire du mal à un bébé. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse si je veux allaiter mon enfant? Je ne peux rien y faire. Pression sur les politiques. Non, mais tu plaisantes, la Péri. Nous sommes dans une ville, Paris, où chaque fois qu'on essaye d'engager un débat sur les bagnoles, on essaye d'expliquer qu'il y a des milliers de morts à cause de la pollution. Ben oui. Lorsqu'on explique ça, lorsqu'on dit qu'il faudrait peut-être limiter, voire interdire le centre de Paris aux bagnoles, renforcer les transports en commun, à chaque fois, on a les mêmes lobbies.
les mêmes lobbies qui viennent nous expliquer « Attention, vous allez nuire à la croissance, vous allez nuire aux bagnoles ». Il y a une chose que vous dites, monsieur, c'est que cette société, elle pense d'abord au profit et pas à la santé. Oui. Eh bien, je m'excuse, c'est des décisions politiques. Moi, j'en ai marre que les gens hurlent chaque fois qu'on dit « Il y en a marre des bagnoles ». Est-ce que vous avez 3 ou 4 ou 5 conseils extrêmement concrets que chacun de nous peut mettre en place? Attendez, vous pensez bien que c'est pas aujourd'hui qu'on va tout régler, là. C'est pas maintenant. Mais je vais vous répondre. Et puis on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Je vais vous répondre tout de suite. Moi, je veux bien sauver le monde avant 20h, mais ça va être dur, là. Non, mais si vous le sauvez dans une semaine, c'est déjà pas si mal. Bon, très bien. Alors, non, je vais vous répondre, parce que vous avez tous les deux raisons. Vous demandez des mesures personnelles. Oui. Bon. Alors ça, c'est l'intelligence de la vie. C'est le bon sens. Il y a un certain nombre de mesures individuelles au niveau de l'hygiène que l'on peut prendre. Mais... en tant que citoyen, individuellement, nous ne pourrons pas régler le problème. Le problème, il est collectif. Et là, je rejoins le discours de monsieur, c'est-à-dire qu'en définitive, il nous faut une montée en puissance de la société civile. Pardon de vous interrompre, mais Gérard parlait de la pollution automobile. Vous dites que c'est pas finalement ce qu'il y a... C'est grave, mais c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Non. Ce sont les produits chimiques en général contre lesquels vous luttez. Oh, où ils sont, ces produits, voilà, exactement. Il y a 2 voies principales de contamination. Il y a l'air, mais ça ne représente pas le pire. Bien qu'un enfant sur 7 est asthmatique en Europe. C'est pas l'essentiel, alors ? C'est la voie alimentaire. Alors, oui, par l'alimentation. Faut manger bio, alors ? Ben, on va peut-être y venir en partie. Si vous voulez, ça se trouve dans les aliments, vous avez 2 choses, vous avez des contaminants, pesticides, dioxines, etc. Et puis vous avez des additifs alimentaires. Alors là, les additifs, c'est beaucoup plus ennuyeux, parce que c'est intentionnellement que l'industrie agroalimentaire les mette dans l'alimentation. Et qu'on sait pertinemment, en ce qui concerne le cancer, qu'il y a encore quelques additifs alimentaires dont on sait qu'ils sont cancérigènes et qu'on nous sert. Ce sont des colorants, etc. Et alors quand vous n'allez pas affoler les gens avec ce que vous dites là ? Mais qu'ils les affolent ! Ça change rien, qu'est-ce que tu veux dire ? Ils vont pas arrêter de bouffer ! Attendez. Ils vont pas arrêter de bouffer pour bien qu'ils bouffent ! Et on va tous crever d'un truc, donc c'est pas sale ! Tu es l'exemple même, de quelqu'un qui devrait se taire sur ce sujet-là. Pour une raison simple. Il est dur. Oui, je vais vous dire pourquoi je suis dur. Parce que dans cette émission d'humour, parfois nous parlons de sujets sérieux et parfois nous avons parlé de José Bové, qui on peut reprocher 1000 choses, mais qui est un de ceux en France, des plus courageux et des plus fermes là-dessus, et était un des premiers, lorsqu'il était en tôle, à dire « après tout, il l'a bien cherché ». Ben, je m'excuse, tu devrais faire... Ça n'a rien à voir avec ça. Absolument. Je ne te laisse pas dire ça. Franchement, la Confédération paysanne, c'est pas en allant manifester devant la ferme qu'ils vont sauver le monde, Gérard. Merci, Laurent. Je vous dis la chose suivante. Ne me réinvitez plus jamais, car vous voyez ce qui se passe. Tout le monde. Est-ce que je pourrais, pour calmer les gens, avec moi, que le président Chirac a dit qu'il fallait inscrire le problème de l'environnement dans la Constitution française, que c'était une chose qui était aussi importante que les droits de l'homme. Oui ou non ? Oui. Bon, pourquoi vous ne le dites pas ? Ça veut dire qu'il y a un début de prise de conscience. Mais non, mais... Elle a raison. Non, mais ça veut dire que ce sont les politiques qui peuvent uniquement décider. C'est pas moi, lui, qui me gueule dessus en expliquant que José Bové est génial. À mon avis, vous avez raté votre vocation. On va tous croire. Vous auriez dû être député, aller à la Chambre et parler comme ça. Peut-être que vous allez y arriver. Mais quand tu dis que ce sont les politiques qui décident, on sait aussi qu'au-dessus des politiques, il y a l'argent et l'économie, comme le disait Gérard. Et vous parlez de l'alimentation, je voudrais vous citer ce proverbe indien. Lorsque les rivières seront polluées, lorsque la terre sera empoisonnée, lorsque l'air sera devenu irrespirable, l'homme se rendra compte qu'on ne peut pas manger l'argent. Déjà, j'ai envie de prendre position, parce que dans ce débat, il faut prendre position. Et tant pis si je choque l'opinion publique, mais je suis contre la pollution. Ça, je voulais le dire. Le ministre a déclaré une chose qui m'a un petit peu interloqué, c'est il faut se protéger contre les risques qu'on ne connaît pas. Est-ce que ça veut dire que les risques qu'on ne connaît pas sont plus dangereux que les risques qu'on connaît? Et si oui, comment le sait-on puisqu'on ne les connaît pas? Ce sera la phrase de la fin. Ces maladies créées par l'homme, comment la dégradation de l'environnement met en péril notre santé? Merci beaucoup. Bravo.
Le 25 juin prochain, la flamme olympique sera de passage à Paris. Nous brûlons tous évidemment de la voir. Hier, le journal Le Parisien nous dévoilait son parcours à travers les rues de la capitale. Et vu la complexité du circuit, regardez, on comprend pourquoi la torche met tant de temps à arriver à destination. Plusieurs personnalités vont se relayer pour porter le flambeau olympique. Des sportifs comme Stéphane Diagana, Laura Flessel, peut-être Bernard Hinault ou même Jeannie Longo. Mais aussi des people comme Patrick Bruel ou Nikos Aliagas, Jamel Debbouze. Nikos, lui, pourra même aller se faire voir jusque chez les Grecs, puisqu'il connaît le chemin. Dan Bolander, toujours aussi flambeur, a testé pour nous le parcours de la flamme olympique. Regardez cette caméra cachée signée Gilles Maillard. Bonjour, ici Dan Bolander, j'ai testé le parcours de la flamme olympique. La flamme olympique va passer ici à Paris le 25 juin. D'accord. Oui. Donc nous sommes en train de construire un mur en plexiglas, vous voyez, le long du trottoir ici. Alors, monsieur, vous allez m'expliquer, oui, les gens qui sont là, comment ils font pour entrer ici? S'il y a un mur là tout le long, oui, ils font quoi? Ah bah, a priori, il faudra faire tout le tour. Ah bon, alors attendez, ils vont aller à la Bastille pour revenir par ici, pour entrer chez moi? Exactement, oui. Moi, j'ai des gens qui rentrent avec des landaus. Oui. Vu ce que vous êtes en train de faire, ils ne pourront pas passer. Ah si, un landau, ça peut passer, mais de l'autre côté du mur, vous voyez. Et alors, qu'est-ce qu'on fait après? On saute, on fait sauter le landau par-dessus le mur? Mais il faudra faire le tour, en fait, parce que là, ça va être le passage de la flamme olympique. Oui, d'accord, mais moi, pour l'instant, je ne gêne pas si je passe là. Si, parce que nous allons construire le mur. Oui, et alors moi, je ne gêne pas. Si, parce que vous allez passer sur le oui, passage pas de la là. Flamme olympique. Il n'est pas là pour l'instant. Non, mais on est en train de le construire, ça. Pour le passage de la flamme olympique, on installe le mur en plexiglas. Quand on ramène la viande, tout ça, il y aura un passage quand même? Non. On va décharger. Vous pouvez décharger au bout de la rue là-bas? On peut pas décharger, il y a un cuche de bœuf de 70 kg de bouche ici quand même. Ça, faudra le rentrer. Hein. Où on va l'entrer? Ah bah, à l'intérieur. Et ça? Bah, ça, faut le rentrer également. Hein. On va le mettre où? Ah bah, à l'intérieur. Et les clients, ils rentrent comment à l'intérieur? Bah, de toute façon, ils pourront pas rentrer parce qu'il y aura le mur en plexiglas. Vous allez avoir un mur en plexiglas, en fait, ouais, juste ici, parce que là, vous êtes dans le passage de la flamme olympique. Oh, mais moi, je crois pas. Hein. Bah, vous avez de la chance, vous êtes aux premières loges pour voir passer la flamme. Je vais pas garder ça devant chez moi pendant un mois, ça, c'est clair. Il faut la protéger, cette flamme olympique, vous voyez. S'il y a encore ce truc, je prends un jet d'eau, la flamme olympique, je l'éteins. La flamme olympique de passage à Paris. Et de passage chez nous pour l'instant sans la flamme, celle qu'on surnomme la guêpe, elle sera aux Jeux Olympiques d'Athènes. On espère évidemment qu'elle nous récompensera encore d'une médaille. Elle vient nous parler aussi d'une manifestation sportive qui aura lieu au Bois de Boulogne dimanche prochain, courir ensemble au profit d'Handicap International. Il s'agit pour les sportifs handicapés et non handicapés de courir ensemble. Voici Laura Flessel. Combien de médailles olympiques pour l'instant? Pour l'instant, 3. 3? Vous en espérez encore quand même? Je pars pour. Et alors la flamme, c'est quand? Le 25 juin, c'est ça? Voilà, mais je rassure tout le monde, on ne va pas faire beaucoup de dégâts, donc ce sera un passage, c'est vraiment symbolique. Ouais. Donc il y aura beaucoup de sportifs et de non-sportifs, et c'est vrai que j'invite tout le monde à venir voir. Alors qui va vous la donner à vous, la flamme, vous savez? C'est pas, ce sera la surprise. La surprise. Est-ce que dans le règlement, il est prévu que si quelqu'un vous demande du feu pendant que vous la portez, vous devez vous arrêter ou vous devez continuer à courir? On s'arrête. On s'arrête et on dit que bon, fumer, c'est pas bon pour le sport. Ouais. Est-ce que je peux juste vous poser une question, parce que vous connaissez... Gérard aussi, va porter le flambeau. Il va vous déclarer sa dans flamme. Une impasse. Il va vous déclarer sa flamme, j'en suis sûr. C'est pas faux. Vous connaissez infiniment mieux le monde sportif que moi. Comment expliquez-vous que chaque fois que je vois Giroud, j'ai pas envie de faire du foot, et chaque fois que je vous vois, j'ai envie de faire de l'escrime? Là, pour la flamme, vous allez être ravie, puisqu'il paraît que vous aimez beaucoup le footing. Oui, mais c'est 400 mètres, donc ça vaut le coup. C'est pas long. Ça pèse combien, le machin, la 750 torche? 750 grammes. C'est vrai que c'est pas... 700... la torche parce ou que l'épée? Je vais porter la flamme. La flamme? La flamme que vous allez porter. Mais je pense que ça sera pas aussi lourd que l'épée. Donc c'est 750 grammes. Oui, c'est pas un barbecue qu'il faut porter. Non, non, c'est 400 grammes. Je sais pas. Ça a l'air assez... Terry. Après, non, c'est bien, c'est... En même temps, si c'était un barbecue avec l'épée, elle pourrait faire des brochettes. Non, je voulais savoir si vous alliez vous entraîner, parce que j'ai lu qu'il y avait tout un entraînement qui se faisait dans Paris, qu'il y a certains acrobates qui sont en train de s'entraîner actuellement dans des gymnases, et que les personnes... Feu.
Non, et que les personnes qui allaient porter la flamme... Allaient répéter? Oui, allaient répéter, vous êtes au courant? Non, mais je pense qu'avec la condition physique qu'on a, il n'y aura pas de problème. Non, c'est Massimo Gardia qui, effectivement, s'entraîne. mais eux, je pense qu'ils devraient y arriver. Claude. Moi, je voudrais savoir. Claude qui va apporter la flamme aussi. Hein. Ah oui, sûrement. Du 5 bis au 5 terre, boulevard de Strasbourg. Exactement. Pourquoi, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu passes du fleuret à l'épée? Quel est l'avantage de l'épée sur le fleuret? Ils sont mouchetés tous les deux, on est bien d'accord. Il n'y a plus de... Non, il n'y a plus. En fait, il y a une pointe, il y a un système de ressort qui, comme c'est électrique maintenant, donc en fait... Donc c'est pas dangereux. Mais alors, quel est l'avantage de l'épée? C'est que c'est une arme ludique, on se fait plaisir tout de suite, et surtout, en fait, il n'y a plus de convention. Donc il y a beaucoup moins d'erreurs d'arbitrage, et c'est vrai qu'on se sent libre. Et il y a trois possibilités aussi, c'est-à-dire qu'au fleuret, il n'y a qu'une personne qui touche, à l'épée, c'est possible aussi, le coup double, et c'est celui qui a le dernier mot. D'accord. Et vous serez passé immédiatement au pistolet, c'était pas plus efficace? J'ai testé, mais en fait, ça ne me réussit pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Ah, c'est génial! Ok, super, super. Laurent, oui. J'ai un ami à qui j'ai demandé si on pouvait... pendant les répétitions dont on parlait il y a deux minutes, mmh. Si on pouvait avoir la flamme qui passe par le studio pour que les téléspectateurs puissent la voir. Ah ben, très bien alors. Et apparemment on peut la voir. C'est un scoop alors. Oui, apparemment on peut la voir. Alors allons chercher la flamme olympique. Attendez, il paraît qu'elle est là. Je vais voir. C'est Perry, c'est une allumeuse. Hein. C'est la première fois qu'on va la voir avec le feu dans la main. D'habitude, elle l'a en haut. Pour le training, faire un tour de plateau, voir comment vous allez vous démerder. Je vous conseille les gants de cuisine. Attendez, moi je fais Patrick Bruel. Attention, alors, parce que moi j'ai toujours peur de cette trucs-là. Voilà. D'accord. Regardez. Et après, ils nous ont demandé si c'était possible. Ouais, Jean-Luc, vas-y, le plus. Dans les gants, Jean-Luc, dans les gants. Oh, petit bras. Voilà. On a l'impression qu'il a fait. Oh non. Voilà. Comme ça, c'est réglé. La flamme olympique. Voilà. On a l'impression qu'elle avait fait une omelette norvégienne qui aurait raté. Vous voyez, c'est un peu... Ah non, la flamme olympique, on s'entraîne. Isabelle. Mais je voulais rendre au passage un hommage aux sportives antillaises, parce que je trouve que vous portez très haut le flambeau des femmes guadeloupéennes en particulier. Et voilà, moi je suis très fière pour vous et j'en suis très contente. Je voulais dire aussi que les Jeux olympiques étaient déjà interdits aux femmes dans la Grèce antique. Et parce qu'il se situait dans une sphère, dans un hôtel qui était interdit aux femmes parce que c'était sacré. Et donc, comme il y avait des femmes qui se glissaient quand même dans les sportifs, c'est là qu'on a institué les premiers tests de féminité pour exclure les femmes des Jeux olympiques. Et c'est là aussi qu'on a pris la seule mesure qui s'imposait finalement, c'est qu'à l'époque, les athlètes étaient tout nus pour qu'on soit sûr que c'est des hommes. Alors, je me demande si ce n'est pas pour l'audimat des Jeux olympiques une bonne idée de remettre en vigueur ce règlement qui voudrait que les athlètes, hommes et femmes, soient tout nus. Ça serait sympa, non? Sauf évidemment, l'escrime. Là, voilà. Ça serait un peu trop compliqué. Un mot sur ce qui va se passer dimanche. C'est l'opération Courir Ensemble, c'est la 6e édition, ce sera dans le Bois de Boulogne, dimanche 16 mai prochain. Vous avez participé à cette opération? Tout à fait. En tant que marraine, puisque tout à l'heure on a dit qu'on n'aimait pas, j'aimais pas trop courir, mais c'est vrai que en fait l'enjeu en vaut la chandelle et c'est vrai que là c'est une magnifique preuve de solidarité et de, je dirais, de moyen d'intégration. Donc en l'occurrence, Courir Ensemble, c'est la possibilité de joindre en fait les non-valides et les valides sur des courses, je dirais, en marche et en marathon, donc 5-10 km, et c'est vrai que c'est de 9h à 13h, et c'est vraiment une magnifique opération. Donc, dimanche, voilà. 16 mai, Bois de Boulogne, Courir Ensemble, avec la marraine Laura Flessel, qu'on remercie d'être passée nous voir. Et bonne chance pour les Jeux à Athènes.
Vivez plus riche, vive les radins. C'est le nom du livre de Jacques Dutertre, un financier, radin, mais fier de l'être, qui dans son ouvrage donne un précieux conseil à ses lecteurs. Pour être plus riche, faites des économies. Oui, il enfonce un peu une porte ouverte, mais l'avantage, c'est que ça lui coûte beaucoup moins cher en serrurier. Selon Jacques Dutertre, la radinerie est un art qui permet d'être riche. Heureux, c'est pas sûr, mais quelle importance, puisque vous aurez plein d'argent. Vivez plus riche, vive les radins, est sorti le 5 mai dernier aux éditions Bonneton. Nous, on ne l'a pas, parce qu'on a commencé à appliquer sa méthode, on ne l'a pas acheté. Inutile de faire des dépenses inutiles. Nous allons donc tester quand même ce livre. Voici son auteur, Jacques Dutertre. Bonjour. Bon, allez. Je le montre, parce qu'on l'a reçu gratuitement, en fait. Ah, voilà. D'ailleurs, vous ne devriez pas les envoyer gratuitement, vos livres, si on applique vos méthodes. D'accord, on va étudier la question. Ah, franchement. Ouais, ouais. C'est l'argent de l'éditeur, en même temps. C'est vrai. Oui, donc c'est une radinerie de plus. Oui, mais ça voudrait dire que vous n'avez pas convaincu votre éditeur. Ou au contraire, qu'il est tellement convaincu qu'il se dit qu'il faut qu'il fasse un effort. Parce que dans mon bouquin, je dis aussi, il faut dépenser de l'argent à bon escient. Ah. Achetez justement... mon livre, il dit. Par exemple. Est-ce que justement votre éditeur, lui, n'a pas été trop radin, ça a été... Ah ben les éditeurs sont toujours radins avec les auteurs, c'est ouais. bien connu ça. Ouais. Donc vous êtes bien placé pour le savoir. Donc ça non, moi, c'est quelque chose. Très bien, merci. Non. Mais alors parlons en pourcentage, je ne parle pas en valeur absolue. Ah bon. Non, ben, quand on prend un bouquin. Faut dire que moi j'en vends. Top. C'est pas gentil de dire ça. Je suis sûr qu'il va en vendre, en plus, ah oui. monsieur. Il y a un premier signe. Il y a un premier signe qui ne trompe pas quand on reçoit un radin. C'est comme monsieur, il n'a pas de montre, puisqu'effectivement, il passe son temps à demander l'heure aux autres, n'est-ce pas? D'accord, on me donne l'heure. Claude, vous en avez tiré des leçons? Ah oui, attends, c'est tellement le contraire de moi que... Je bavais des ronds de chapeau dans ton lit. Par exemple, quand tu ne téléphones pas, d'abord pas de portable, bien sûr, mais même si tu as un téléphone fixe, tu n'appelles pas, tu attends que les autres t'appellent. Et si par hasard... En cas d'urgence, tu es obligé de faire une communication téléphonique, tu dois tout marquer à l'avance ce que tu vas dire pour ne pas perdre de temps au téléphone. Non, mais il y a un meilleur truc que vous ne citez pas dans votre livre. Moi, ce que je fais quand je dois appeler, c'est que je t'entends mal, tu ne veux pas me rappeler. Ah, ça c'est efficace. Tout le long du bouquin, c'est que ça. Ton frigo tombe en panne, en rade direct. Et alors donc, au lieu de se précipiter pour aller acheter un autre frigo parce que tu en as besoin pour mettre tes produits, non, il faut prendre son temps, réfléchir à ce qu'on va faire, comment on va éventuellement peut-être acheter un autre frigo et tout ça. Et en attendant, tout ce que tu as dans ton frigo, tu le mets chez les voisins. Tu appelles les voisins, bonjour, est-ce que je peux mettre mes conneries chez vous? Alors on imagine la scène, au petit déjeuner, tu sonnes toutes les 3 minutes chez les voisins, j'ai oublié le lait, attendez, j'ai besoin du beurre. C'est pas ça, possible. Ça c'est idiot, parce qu'ils ont bien acheté un autre frigo à un moment donné. Alors d'abord, j'ai pas dit qu'il fallait pas racheter de frigo. Ah. Non, vous avez dit, prenez votre temps, surtout réfléchissez longtemps. On ne se précipite pas, parce que se précipiter, pour moi, c'est l'acheter tout de suite. Ah, il est tombé en panne, je vais être dans le magasin ce soir. Non, bah, c'est le faire le lendemain. Parce que vous avez le temps de jeter un œil sur la revue de consommateurs, de faire une petite comparaison, et puis vous prenez ce qui vous paraît meilleur comme réfrigérateur. Et puis, vous n'évoquez pas... Pardon, vas-y. Non, mais ce que tu dis pas, c'est que quand tu vas faire tes courses dans un supermarché, tu dois avoir ton petit calepin à côté de toi et savoir quel est le meilleur rapport qualité-prix de tous les produits que tu as devant toi. C'est un travail herculéen. Alors d'abord, ça, on n'est pas obligé de le faire. Mais par contre, ce qu'on peut avoir, c'est sa liste. Il y a quand même pas mal de gens qui le font, ça, déjà. Vous avez regardé dans les magasins. On a sa liste de produits habituels. Bon, j'ai besoin de yaourt. Eh bien, je vais acheter pas forcément le yaourt d'une marque très connue. Je vais peut-être acheter un yaourt générique qui va me coûter 1 euro moins cher et qui sera... à mon goût, tout aussi bon. Pourquoi pas? Le petit carnet, il faut acheter le moins cher. Oui. Hein, on le fabrique. Il n'y a même pas besoin de petit carnet. Oui. Non, il les fabrique, ces carnets. Bah voilà. Tu sais comment, avec les prospectus et les publicités, il y a toujours, sur le dos, il n'y a rien de marqué. Il garde tout. Résumons-nous, vous êtes malade, monsieur. Non, mais sans déconner. Vous êtes malade. Je voudrais dire une chose qui est importante. C'est une philosophie qui en vaut d'autres. Alors évidemment, on pourrait vous opposer que ça manque un peu de joie de vivre. Et par exemple, je ne sais pas si vous en aviez l'intention, mais ne m'invitez surtout pas à dîner au restaurant. Parce qu'alors, quand monsieur dîne au restaurant, l'axiome de base, c'est ne boire que de l'eau, une carafe, pas d'eau minérale, et pas d'apéritif, pas de vin, pas de dessert. On peut prendre mais le non, dessert, chérie, et pas de café. Attends, tu oublies une chose, il ne t'invitera jamais à dîner au restaurant. Il t'invitera à déjeuner parce qu'à déjeuner, les menus sont moins chers. Non, il y a...
la photo de derrière est toujours très importante. Par exemple, pour un livre de régime, on se demande si c'est efficace, si celui qui a écrit a maigri grâce à ça. Là, quand on voit votre photo en dernière de couverture, là, on se dit que sens de l'économie peut rimer avec des connes, avec joie de vivre. Ça, c'est, ça, c'est réglé. Ça, c'est très bien. Et puis, c'est vrai que c'est un livre que j'aurais aimé écrire parce qu'il y a des trucs ultra drôles. Par exemple, on parle souvent de l'allaitement, l'importance de l'allaitement chez la femme. Vous, vous avez tranché le débat. Il faut allaiter parce que ça coûte moins cher pour nourrir les bébés. Donc ça c'est formidable. Et vous dites notamment, quand vous brossez les dents, si vous coupez le robinet, l'eau arrête de couler, vous faites des économies de 2 euros par semaine. Moi, je fais mieux. J'ai arrêté de me laver les dents, je fais des économies de 3 euros par semaine. Ouais. Ouais. Alors moi... Finalement, votre livre, je le trouve pas mal du tout. Et plutôt comme un traité sur la radinerie, je le vois simplement comme un livre de conseils. Et je pense qu'il faut y puiser, comme vous disiez, à tel endroit, des conseils sur telle et telle chose. Nous avons un électricien qui a réparé déjà 12 fois notre lave-vaisselle et qui tient le truc plutôt que de nous en vendre un autre. Et je trouve ça formidable. Je suis allé épouser. Votre femme a eu des problèmes de santé. Il l'a réparé. Non. Et tout ça, il y a une seule chose qui me choque dans votre livre. C'est le mot radin. Je trouve que c'est... Moi, quand on m'a parlé de ce livre pour l'émission, je me suis dit, mais merde, c'est une connerie, je déteste les radins. Ouais. J'espère être à l'opposé de la radinerie. Je trouve que c'est un terme tellement réducteur, je trouve que c'est tellement triste, la radinerie, et que ça gâche la vie des gens et de ceux qui les entourent. Et ça aurait pu s'appeler un livre sur les économies, gestion quelque chose domestique. Comme ça. Voilà, gestion domestique. Et je trouve qu'à ce titre, il y a des tas de conseils formidables, notamment le fameux robinet. Non seulement il y a 2 euros d'économie, mais ça on s'en fout, je veux dire, quand on gagne bien sa vie, c'est pas 2 euros par semaine, mais c'est les litres d'eau dépensés quand on pense que l'eau va devenir une des denrées rares dans les quelques années à venir sur la Terre. Je crois que vous avez raison, la radinerie doit être amusante. Elle ne doit pas être... C'est pas de la radinerie, ça. Perry. Non, mais si, justement. Alors, Perry. Oui, bon, on a commencé, évidemment, en déconnant un petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont complètement grotesques votre livre, et il est vrai que... Pour moi, le pire des défauts, c'est la radinerie. Mais il y a des conseils qui sont juste, mais tellement évidents, tellement... expliquez à vos enfants qu'il faut savoir ne pas gaspiller. Ils ne vont jamais le lire, votre bouquin. S'ils sont arrivés au stade de s'en foutre complètement de ce qu'ils expliquent à leurs enfants... Et non, si... mais à ce moment-là, voilà, Eric, tu ne peux rien dire sur rien. Il a des idées, il les exprime. C'est normal qu'il les exprime. On vit dans une société de gaspillage. Il veut qu'on gaspille un peu. Salive. Économiser ta salive. Salive. Et les conneries que tu dis, ça fait... Mais non, ce n'est pas des conneries, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des choses qui sont justes, mais... Vous êtes une radine en or. Vous êtes une radine vous-même, vous venez de le prouver. Oui, dites-moi. Oui, parce que vous venez de faire de l'équitation gratuitement. De l'équitation gratuitement, c'est-à-dire ? Vous êtes monté sur vos grands chevaux. Ah. C'est là où on voit que vous êtes un peu radin, parce que depuis tout à l'heure, vous nous faites des blagues à deux balles, quand même. Isabelle, encore un mot sur Vivez plus riche, vivez radin. Vous avez aimé, vous ? Moi, j'ai beaucoup ri jusqu'au moment où je suis tombée sur le coup du restaurant. Ça m'a fait un peu déprimée. J'ai trouvé que si on est radin comme ça dans la vie, j'ai peur qu'on soit radin aussi comme ça au lit. Vous savez, genre, j'aimerais bien des préliminaires. Non, direct à la case trésor, je suis pas là pour perdre du temps. Très bien. Vive les plus riches, vive les radins. Avec ce petit slogan, remboursé en une semaine. Vous garantissez ça? Ah oui. Même en quelques jours, moins que ça. Même. Et si ce n'est pas le cas, vous remboursez le bouquin? Ah, vous voyez ça avec l'éditeur. Allez, on vous remercie. Jacques Duterte. Merci beaucoup. Au revoir. Dernier invité pour ce soir. Le 29 juin prochain, à la fin du mois de juin, quoi, Sylvie Joly sera à l'Olympia, à Paris, pour son spectacle « Je suis votre idole », les best-of, un one-woman show dans lequel notre humoriste regroupe ses sketchs les plus connus et les plus demandés par son public. Bon, on connaît tous Mme Touchard ou encore même, évidemment, la folle sexuelle, mais aussi... comment ça s'appelle, le dîner après... L'après-dîner, c'est... L'après-dîner, voilà, moi, c'est mon préféré, l'après-dîner. Ce spectacle de Sylvie Joly existe aussi en DVD et en VHS. Bref, il est temps de rendre hommage à la mère de tous les humoristes qui font du one-man show ou du one-woman show. Pour tester ensemble Je suis votre idole, les best-of, voici Sylvie Joly. Oh, merci pour les roses. Merci pour les roses. Là, je vais. Voilà.
parce que j'ai des chaussures très très dangereuses. Je vois, c'est des chaussures compensées, c'est déjà ça. Des chaussures très dangereuses. Alors, quand vous serez vraiment assise, je pourrais m'asseoir oui, moi ben, aussi. Oui, oui, parce que je sens le... Je sens le... Bon, ok, je peux la faire là, l'émission, hein. Alors, Sylvie Jolie, à l'Olympia, le 29 juin. Non, mais attendez, vous voulez que je fasse quoi? Que je me mette où? Qu'est-ce que vous voulez vous attendez de moi? De vous asseoir ici. Voilà, exactement. Et voilà, mais là, je le fais, là, je le voilà. fais. Sylvie Jolie, les best-of. Je suis votre idole. Vous êtes, je l'ai dit, ça vous gêne peut-être un peu qu'on dise ça, la maman de tous les humoristes, tous les... Pas forcément qu'on ne dit pas la mémé. Ça. Et en tout cas, ce qui est sûr, celle qui a ouvert les portes du Café Théâtre a beaucoup de femmes, parce que l'humour était pendant longtemps, il faut le dire, réservé aux hommes, et peu de femmes montaient sur scène grâce à vous, d'autres ont suivi la voie. Sylvie Jolie à l'Olympia le 29 juin, en DVD, en spectacle, et puis le 12 juin à Damary. Dans votre rue. Voilà, exactement. Extrait du spectacle et du DVD. Je suis là, je resterai 5 minutes, je sourirai au photographe. D'abord, qu'est-ce qu'on donne ici en ce moment? Ensemble, ici, à Mourmelon, on va faire du bon travail. Les gonzesses qui ont leur ragnagna restent au camp pour faire leur rata, hein, affirmatif. Troisième point, la guerre. Là-dessus, il faut être clair. La vida, c'est la muerte. Il est effrayant, leur fils. On dirait un cochon. Lance matin, ce corridor. Je suis votre idole. Vous connaissiez Claude Sarraute? Bah, tu penses depuis des années et des années. Je l'adore. Je l'admire. Elle est formidable. Quel est votre sketch préféré, Claude? Écoute, je ne sais pas quoi te dire. Madame Touchard, j'aime bien. Comment tu fais pour prendre tous ces accents différents? Non, mais alors, c'est drôle, parce que Madame Touchard, il y a des gens qui se disaient c'est un accent canadien ou je sais pas quoi. Non, c'est l'accent c'est normand. Paysan, absolument. Accent normand, mais vraiment. Fait. Attention avec l'accent normand. Pas rigoler avec ça. Jean-Luc, vous, votre préféré, c'est quel? J'aime bien la chef para aussi. Ah. Dans les paras ou la tigresse. La tigresse aussi, j'aime beaucoup. La chef para de Mourmelon. Ah oui, oui. Jean-Luc. Moi, mon sketch préféré, c'est à peu près tous. Voilà un type qui parle correctement. Voilà. qui s'exprime mais, bien. Mais ça tombe... Ça tombe bien parce que vous avez donné, je ne sais pas comment vous avez fait, vous avez donné le titre au DVD de ce que je pense, vous êtes mon idole. Ce qui est génial, c'est quand même de penser, ce qui est génial, c'est quand même de penser que ce qui est génial, été... c'est quand même de penser. C'est quand même de penser. Surtout pour vous. Défendre, ce qui est génial, c'est de se dire que Gérard ne regarde jamais l'émission quand elle passe le soir à l'antenne et qu'il ne sait pas que depuis 3 ans, les monteurs, systématiquement, n'enlèvent pas ses répétitions. Ce qui est génial, c'est de penser... Ça, vous l'avez déjà dit, Gérard. C'est de penser qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvés au même âge, sur le même banc que l'école, que Bernadette Chirac. Ça, et je me dis toujours, c'est formidable d'imaginer qu'aujourd'hui, vous pourriez être en train de ramasser des pièces jaunes avec Douillet et qu'à l'Élysée, on pourrait avoir, après tout, quelqu'un d'aussi drôle que vous. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, peut-être, que le destin s'est trompé à un moment donné, que vous étiez fait pour être la première dame de France ? Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la mère de Bernadette Chirac disait que j'avais très Madame mauvais... Chaudron de Courcelles. Madame Chaudron de Courcelles, fait poil à frire, disait que j'avais très mauvais genre. J'avais 14 ans, j'étais gentille comme tout. Dites, juste pour moi, Sylvie Jolie, est-ce que vous seriez capable de faire juste pour moi un extrait de l'après-dîner, juste comme ça, pour nous, entre sur le plateau? Moi, je suis le type qui conduit, on revient de... Ça c'est excellent. On revient d'un dîner chez les amis. Oui, mais c'est le juste pour moi, parce que vraiment, je l'adore, celui-là. Soyez prudent, Laurent. Ben, alors, je crois qu'on va y aller, hein, Jean-Jacques. Ouais. D'accord, on y va. T'as une réunion demain matin? Oui, ben oui. Bon. Allez, on monte dans la voiture. Hop. Ah, je suis crevé. Mais la gomme, chérie, je te jure que je suis pressée d'aller me coucher. Pardon. Laurent, vous triez une vache, là, vous faites... laisse ça continuer. Dis donc, j'ai cru que ça finirait jamais. Sophie, elle a vieilli, hein. En plus, elle est grosse. Bouffie. De là, on dirait Dizzy Gillespie. Oh, c'est cette mousse au chocolat. Qu'est-ce qu'elle était aigre. À mon avis, elle a dû prendre du vieux lait. Vraiment, elle n'est pas fortiche.
Oh, je t'aurais présenté une mousse comme ça, moi. Même en camping, tu me la foutais sur la figure et t'aurais pas eu tort. Mais lui, quelle lopette. Cette espèce d'asperge couvert de furoncle. À mon avis, il est une blaineau, lui, Serge. Faut vraiment avoir lequel va m'accrocher. Tu m'excuses, il était à côté de moi à table. Il pue. Infect. Qu'est-ce que vous dites à lire? Franchement, quelle idée de n'avoir été que des cons pareils. Elle a le chic pour dégoter de ces crétins. Mais mort de France. Quand ils ont passé des... Oh, c'est cette mousse. Ralentis un peu. C'est tellement ça. C'est génial. Non, parce que tout à l'heure, j'ai failli l'empêcher de se mettre à sa place. La maîtresse, j'ai un dîner. Ça me stresse, j'ai un dîner ce soir et j'ai prévu de la mousse au chocolat. Je me dis que si ça se fait un couple qui va se marrer en disant Gérard, ça. Mais ce qui fait évidemment la force de Sylvie Joly par rapport à beaucoup d'autres humoristes, pas à tous, c'est que c'est incroyablement... À toutes, Sylvie. Ce qui fait, oui, pratiquement à tous, on non, va laisser pas, une ou deux pas. Exceptions quand même, c'est que c'est incroyablement écrit. Ah oui, et voilà. C'est vrai que du coup... Elle ne change pas un mot, mais il n'y a pas besoin. Les rires sont absolument là, au rendez-vous de chaque chose. Ce qui m'amusait aussi, dans votre œuvre, si je puis dire, c'est qu'il y a vraiment des sujets que vous ne voulez pas traiter. Et je sais notamment que vous, qui avez été éduqué, élevé et aussi vidé d'un certain nombre de pensions religieuses, vous ne pouvez pas aborder, je crois, le sujet de la religion, le sujet de l'Église. Vous considérez que c'est des sujets peut-être trop sacrés pour vous. Là, le père Palmade est en train d'écrire pour moi. Il a écrit déjà trois sketchs. Le père Palmade, il est rentré dans les ordres. Le père Palmade, oui, le révérend père Palmade. Mais maintenant, je peux dire n'importe quoi. Enculé. Merde, enculé. Gérard, toi, le psychanalyste. Pourrais-tu décrypter, pourrais-tu lui dire pourquoi quand t'es dit enculé, c'est vers toi qu'elle se tourne. Alors, puisque maintenant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, j'ai envie, puisque maintenant, c'est vrai, vous êtes voilà, la marraine, la madone. Voilà, vous avez fait une carrière incroyable. Vous pouvez balancer, dire tout ce que vous voulez. Quels sont les enfants dont vous êtes fiers et ceux dont vous avez honte? Alors, par exemple... Alors ça, c'est des trucs pourris. Ah ouais, mais... Ça, c'est carrément des trucs j'adore, pourris. J'adore, hein, ça. Muriel Robin, fière. Muriel Robin. Vous voyez qui c'est Non, mais je trouve qu'elle est très, très drôle. En plus, je trouve qu'elle a été servie par Palmade d'une façon assez magistrale. Bon, et qu'elle est nature... je ne sais pas quoi dire. Bon, je dis bravo. Bravo, Muriel Robin. Bon, alors parfait. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, bravo pour ton assiduité. Oh la vache. Virginie Lemoine. Virginie Lemoine, elle, je l'ai connue vraiment à ses débuts. Non, mais c'est odieux, vous rendez compte. Vous pouvez maintenant, allez-y, c'est bien. Non. Vous êtes un peu la maîtresse d'école. Non, mais c'est comment dire. Il y a des gens que je te... Que vous croisez encore. Non, j'aime énormément Le Mercier. Ah, Valérie Le Mercier. Ah oui. Bon. J'aime énormément Le Mercier. Donc c'est vrai que quand on aime Le Mercier, on n'aime pas tout le monde. c'est vrai que c'est complètement différent. Donc voilà. Je l'adore, cette fille. Celle vraiment que vous détestez. Allez. Sœur Sourire. Vous restez avec nous 3 minutes pour le tac à finir. Le ministre de la Culture, l'ex-ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, a déclaré « Donne-Dieu ». Il parle du nouveau ministre de la Culture, M. Donne-Dieu de Vabre. « Donne-Dieu de Vabre ne m'a pas du tout succédé, Il a un mon poste. » Alors, attention. Il a tout manœuvré... C'est exactement ce qu'il dit. Il a manœuvré pour me piquer mon poste. Alors oui, au début, qu'est-ce que ça... Alors, ça, c'est la fin de la phrase. Il a tout fait pour obtenir mon poste. Vous avez exactement la fin de la phrase. Mais au début, alors. C'est au ministère de la Culture. Il ne m'a pas du tout succédé. Spontanément, naturellement. Par hasard. Bonne réponse de Sylvie Joly et Isabelle Alonso.
Jean-Monsieur Debarme ne va pas du tout succéder par hasard. Il a tout fait pour obtenir mon poste. Ça balance, hein, là. Oui. Ouais. Benoît Poulvorde, oui, pardon. Non, ceci étant, il a du mérite, hein, parce qu'il fallait vraiment avoir envie d'être ministre de la Culture en ce moment. C'est vrai. Ça... Oui, il est kamikaze. Ouais. Benoît Poulvorde, qui est à Cannes, membre du jury actuellement, il dit « Je n'ai jamais, moi, remporté la Palme d'Or. Et j'ai bien l'intention de, en faisant... » De la choper. Oui. En faisant des frites et des moules. Ah, c'est ça, non? Oui, les Belges sauraient peut-être ça. Oui. J'ai bien l'intention de me venger en faisant gagner un ringard. Exactement. Ah. Bonne réponse. Un médiocre. Vous l'avez eu, hein? Bien entendu. Il plaisante, évidemment. Le président Chirac, qui ne plaisante pas, déclare « Je ne peux pas être... » Président. Partout. Partout, exactement. C'est tout simple. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais ils sont habitués quand même là. Hein, ah oui, oui, ils sont formés. Ils sont formés. Enfin, regardez, Claude, on fait des stages. Non, qu'est-ce qui se passe, Claude? Je sais pas. On est déçus. Oui. Sylvie Joly en DVD, en spectacle, en live à l'Olympia le 29 juin. En tournée aussi à Dom Marie Lélis le 12 juin, c'est un petit peu avant l'Olympia. Et puis à la rentrée au Théâtre des Mathurins. Merci Sylvie. Merci. À demain. Bye.